Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo unboxing déballage, comme d'hab, le samedi ou le dimanche, bah, on déballe une nouvelle box, et puis voilà. Donc là, c'est vraiment une toute nouvelle box, parce que c'est la box de jeuxvideo.com qui se prénomme la Woot Box. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Moi, Woot, ça me fait penser à Woot Woot Woot, un chien qui dit Woot Woot Woot, et je sais pas. Donc, si une personne sait ce que ça veut dire Woot Box, bah, n'hésitez pas. La box est plutôt petite, mais on sent qu'elle pèse quand même sympa, que des fois, il y a des box qui sont grandes, mais finalement, c'est assez léger. Donc, aux couleurs orange et bleu, hein, comme le site, c'est pas compliqué. Le lien est dans la description si vous voulez vous en prendre une. Ce qui est bien par rapport à cette box, c'est qu'elle coûte moins cher que les autres. Du moins, celle que j'ai testée pour l'instant, c'est 19,99 si je dis pas de bêtises. Alors que les autres, généralement, ça peut être 30, ça peut être 45 ou 50 euros suivant les formules. Donc, je trouve que 19 euros, c'est un bon prix parce qu'il y a des personnes qui peuvent pas non plus payer des box qui coûtent des milliers et des cents. Voilà. Alors. Le thème de cette box, il n'y a rien écrit, hein. Le thème de cette box, si je dis pas de bêtises, de ce mois de juin, c'est la box Fantasy. Fantasy qui est Le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, après je sais pas trop, Final Fantasy, pourquoi pas. Et voilà, c'est tout le Heroic Fantasy, hein, ça peut être assez global. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. Comme d'hab, je ne l'ai pas ouvert, parce que le but d'une box avec vous, c'est de découvrir ça ensemble. Donc, je vais piocher au hasard. Hop. Alors. On pose ça ici, tranquillou, on n'est pas là pour se prendre la tête. Hein. Alors, nous avons un porte-clés Game of Thrones, comme je le disais juste auparavant. Attendez, hop, voilà, c'est mieux comme ça. Voilà, j'aime bien quand la mise au point se fait directement. Et un porte-clés, si je dis pas, c'est... Alors, je peux te dire des bêtises, parce que moi, Game of Thrones, je me suis arrêté à la saison 2. Pourquoi? Parce que par manque de temps, en fait. Et par manque de temps, vraiment. C'est comme ça. Si je dis pas de bêtises, c'est un porte-clés Lannister. Alors si je dis une bêtise, encore une fois, n'hésitez pas à me corriger. Hein. Il m'arrive de me tromper, il m'arrive même très souvent de me tromper. Et comme d'hab, je tiens à remercier les gens en commentaire qui participent, qui me corrigent quand je dis une bêtise, très poliment généralement. Après, il y a des gens qui veulent toujours montrer leur science et en insultant, oh, putain, Coty, t'es trop con et tout, tu dis des bêtises, voilà. Donc ça, c'est... Il y a toujours des gens comme ça. Mais heureusement, il y a des gens... plutôt très gentil. Alors je sais pas comment j'ouvre ce porte-clé, mais je l'ouvre quand même, c'est pas grave, hein. On s'en fout de la façon tant qu'on réussit. Donc voilà, merci à vous pour vos commentaires à chaque fois qui sont ultra constructifs. Alors d'ailleurs, nous avons un petit médaillon. Attendez, oui, facile de dire ça. Hop, je sais pas si vous allez bien voir. Attendez, non mais arrête de bouger, putain de merde. Voilà. Ah, j'avais presque... Voilà, Game of Thrones, AB Style. Il est écrit derrière, voilà. En gros, il était fabriqué, bah, je ne sais pas où. Bref. En tout cas, il est plutôt assez joli. Ça fait un petit peu cuivré. Un peu bronze cuivré, le truc. Pas très lourd, finalement. Limite, le plus lourd, c'est ce qui porte le médaillon. Mais plutôt assez sympathique. Voilà. Si vous aimez Game of Thrones, bah forcément... Ça peut être très intéressant, je vais sûrement le passer à mon frère, parce qu'à chaque fois il me dit « Ma sœur, s'il te plaît, passe-moi un porte-clés, la sœur, s'il te plaît, passe-moi un porte-clés. » Voilà. Donc justement, on lui a enfilé, hein. Hop. Alors, la deuxième chose, ah, je pense avoir pris quelque chose de gros. Ah. On devant un t-shirt, qui est taille double XL, c'est bien. Et comme je le dis souvent, le jour où je vais faire mon régime, même si je le fais un petit peu en ce moment, vu que je fais le ramadan et que je mange une fois par jour, et pas beaucoup finalement, je vous ferai une vidéo sur le ramadan. Pour le souhaiter à ceux qui le font et à ceux qui le font pas, bah, pour expliquer pourquoi on le fait, etc. Ça peut être une vidéo intéressante. Alors, un t-shirt de couleur noire. Captain Obvious, hein. Alors, dragon, et je pense que c'est dans le thème de Game of Thrones, encore une fois, avec la Targaryen, peut-être, celle qui contrôle les dragons. Je ne sais plus les noms, hein, encore une fois, je suis désolé. Celle qu'on voit dès le début à poil. C'est le beau truc. Donc, comme d'habitude, moi, ce que j'aime bien, c'est tester bah, ce qu'on m'envoie, ce qui est logique. Donc... J'aime bien faire ce genre de conneries. C'est con, mais des trucs comme ça, à chaque box, s'il y a un t-shirt, je suis obligé de faire ça. Donc, un t-shirt plutôt sympathique. Moi, j'aime bien. Ça fait... Franchement, vous marchez comme ça dans la rue... personne ne se doute que c'est un truc de Game of Thrones, à part s'il connaît vraiment, mais sinon ça passe assez inaperçu, donc j'aime bien.
Ils ne vont pas vous dire « Ah, mais lui, c'est un geek !» Voilà, on évitera ce genre de choses. J'aime bien, il est plutôt doux. Parce que des fois, les t-shirts, quand vous les mettez, vous sentez qu'ils vous piquent. Vous savez que ce t-shirt-là, vous allez le mettre très rarement. Donc celui-ci, non, il est plutôt cool. Ah, ah oui. Bref, je me fais du bien, c'est pas grave. Alors, ah, il y a un truc qui m'a piqué. C'est que, attendez. D'accord, je comprends pourquoi je me suis... Voilà, je me suis fait piquer par ça. La tristesse. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est... ah, c'est une sorte de pins spécial woodbox. Je sais pas s'il va le montrer. Malheureusement, il va montrer ce qu'il veut, ce qu'il voudra pas. Là, voilà, de toute façon, vous voyez un petit peu, hein, je suis désolé. Il montre vraiment ce qu'il veut et vous verrez qu'après... Attendez, petite esquive. Non, il veut pas. Ah, voilà, parfait. Ça fait penser à la Triforce, personnellement, dans Zelda. Donc, tous les mois, je pense que vu que c'est le premier mois que la Woodbox est sortie, je pense que chaque mois, à l'instar de Loot Crate ou autre, eh bien, ils vont envoyer à chaque fois un pins, et le but sera de récolter chaque pins. Donc là, c'est plutôt un pins sympathique pour ceux qui aiment Zelda. Moi, personnellement, je suis pas forcément super fan de Zelda. J'aime bien y jouer, je le finis, mais c'est pas l'un des jeux que j'affectionne tout particulièrement. Je sais qu'il y a des personnes qui sont ultra fans de Zelda, bah moi je comprends pas trop cet engouement. Alors qu'est-ce que nous avons là par contre? Alors, ça par contre je ne sais pas ce que c'est. Enfin c'est un bracelet, hein. C'est un bracelet, on est d'accord. C'est pas le seul problème, c'est surtout qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il y a écrit must. Mais écrit must. Must have, sinon au bon vieux français. Il y a écrit must have the precious. Ah! C'est pas Gollum, merde, je le montre très mal. C'est par rapport au précieux, quoi. Attendez, en fait, au lieu de me casser la tête, ça sera peut-être plus intéressant de vous le montrer sur mon bras. Par contre, il est serré, hein, alors que j'ai un poignet... Qu'on me voit, en fait, j'ai des grosses cuisses, mais j'ai des poignets tout fins. Voilà. Je sais pas, j'ai toujours voulu avoir des poignets un peu plus gros, vous voyez, genre comme Ken le Survivant, ou Toriko, Sangoku, voilà, ils ont des bras, on dirait, c'est votre cuisse. Bah moi non, j'ai des bras de tapette, c'est pas grave. Donc il y a écrit « Must have the precious », donc je pense que c'est par rapport au Hobbit et au Seigneur des Anneaux, parce que precious, mon précieux, ne touchez pas mon précieux, voilà, je sais pas le faire, mais je le ferai pas, donc voilà, d'ailleurs... Gollum, c'est le mot magique de cette vidéo. Parce que j'aime bien Gollum. Il a pas beaucoup de cheveux comme moi, donc c'est bien. Alors, là, on touche quelque chose de gros. Ah! Non, ce n'est pas mon sexe. Je rigole, bien sûr. Ah, une pop. Moi, j'aime bien ces figurines-là. Au début, je les collectionnais pas trop. Mais finalement, bah, plus je fais de boxe, plus je les collectionne, forcément. C'est une pop de World of Warcraft. Alors, il s'appelle Idilan. Alors, je sais pas si ça se dit comme ça. Je vais vous la sortir. Je suis pas forcément ultra fan de World of Warcraft. J'y joue pas, en tout cas. Jamais voulu y jouer. Je vous montre juste les autres qui auraient pu être dedans. Il y a Diablo. Attendez, parce que le focus, il veut pas trop se faire. Alors, il y a Diablo, il y a Tyrael, Kerrigan et Jim Raynor. Que vous pouvez voir, voilà, ici. Moi, j'ai eu Illigan. Je sais pas si c'est quelqu'un de fort ou pas. Donc, je sais pas du tout. Si des personnes peuvent nous expliquer en commentaire, hein, comme d'habitude. Alors... Hop. En tout cas, c'est bien fait. Elle est bien, j'aime bien les musclés et tout. Alors, comme d'hab, voilà. Là, vous pouvez bien le voir. Et on va essayer de le tourner à chaque fois. Comme d'habitude, il a ses petites ailes. Et il a une sorte d'épée. Enfin, c'est pas une épée, c'est juste... Je sais plus comment on appelle ce genre de d'arme blanche. Merde. Oups, j'ai du mal à montrer aujourd'hui. Donc plutôt sympathique. Moi j'aime bien. Par contre il a pas de bouche, encore une fois ça me stresse. Mais plutôt cool. Ça coupe de cheveux, j'aime bien. Non moi j'aime bien. C'est vraiment, vraiment très sympa. Et là, je pense qu'il reste plus grand chose. Je peux voir en avance. Alors, j'ai calculé les goodies. On a aussi, je pense que c'est quelque chose à coller. Un petit sticker de Stark dans Game of Thrones. Il y a écrit « Winter is coming ». Donc l'hiver arrive. Là, on est en plein temps caniculaire en ce moment. Donc l'hiver ne sera pas là pour tout de suite. Et nous avons aussi... Alors, attendez. Ah, on a un poster à voir. Ou une affiche. Ah! Vous connaissez?
Chocobo, c'est ce qu'on mange dans Final Fantasy Land. Chocobo, c'est un moins. Enfin, c'est des animaux. On sert d'eux pour faire un transport d'un point A à un point B. J'aime bien les chocobos. À l'époque, on devait les attraper. C'était super galère dans les Final Fantasy. Et depuis, bah, je suis plus forcément trop. Mais c'est vrai que quand j'ai dit Final Fantasy, hey, j'étais pas con en disant ça. Donc, les chocobos, un petit poster. Par contre, ce qui est dommage, bah, si une personne de Woodbox m'écoute, ce qui est bien pour les posters et les affiches, c'est de les faire en comme ça, en fait. Vous voyez? C'est de les enrouler. Parce qu'en fait, quand on les met en pli, c'est dommage parce que quand on l'ouvre, finalement, on a des plis. Il y a des personnes qui n'aiment pas avoir des plis dans leur poster parce qu'ils aiment bien avoir un poster uni. Donc c'est bien de les enrouler. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc moi, je trouve que c'est mieux de les avoir enroulés pour ceux qui sont fans de ça. Et puis voilà. Donc ici, nous avons le numéro 1 qui explique en gros que c'est bah, la première box. Et derrière, il y a une petite fiche récapitulative. Alors, je vais vous dire ça vite fait. Jeuxvideo.com vous remercie pour votre abonnement à la Woodbox, la première box mensuelle 100% gamer. Nous espérons que cette toute première Woodbox conçue et réalisée par l'équipe Woodbox vous plaira. Pour un unboxing parfait, munissez-vous de votre mobile en mode photo ou utilisez. Ah oui, en gros, c'est prendre des photos, d'accord. Voici un petit récapitulatif des objets que vous devez trouver dans votre Woodbox. On sait jamais, là peut-être qu'ils ont bien un objet pour moi, hein. On sait jamais. Alors, une figurine Funko Pop de la série World of Warcraft, représentant une des légendaires créatures de l'univers Warcraftien, parmi celles que je vous ai dit auparavant. Un t-shirt Where Are My Dragons, dessiné en exclusivité par l'équipe de jeuxvideo.com et Made in ASOS. Un poster mashup Final Fantasy versus Pokémon. Attendez, je suis pas fou, non? Il n'y a pas de Pokémon là. Ah bah, à moins que je sois barge. À moins que je sois barge, j'ai pas vu de Pokémon. Ensuite, un porte-clés Game of Thrones. À quelle famille prêterez-vous allégeance? À aucune. J'ai pas envie de mourir personnellement. Un bracelet en silicone Must Have the Precious. Pour penser à Gollum tout l'été. Voilà, c'est bien ce que je disais. Un badge exclusif Woodbox façon Triforce de Zelda pour que la puissance des dieux ne vous quitte jamais. Et un sticker Game of Thrones, parce que même si les beaux jours sont là, l'hiver vient. Et Nasser Pierre, Nasser. C'est les fesses. Nasser Service après-vente. Et oui, il y a plein de jeux de mots avec Nasser. N'hésitez pas, vous aussi, à faire un jeu de mots avec mon prénom, Nasser, comme Nasser les fesses, Nasser volant, Nasser Baïdjan, Nasser Pantin, par exemple. Il y en a tellement, on m'a tellement saoulé quand j'étais plus jeune avec mon prénom. Et puis voilà. Donc, on va se quitter pour cet unboxing. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel unboxing. N'hésitez pas en commentaire à dire le lot qui vous a le plus plu. Personnellement, ce qui m'a le plus plu, c'est la figurine. Parce que moi, j'adore les figurines. Et celle-ci, je la trouve vraiment très très sympathique. Je pense la mettre à côté de Son Goku. Comme ça, s'il a peur, bah, Son Goku sera là pour le protéger au cas où. Et puis sinon, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et puis c'est tout. Allez, salut. Merde, tu m'as tué la fois.